Est-ce que j'ai eu la confiance dans lui? Je ne sais pas, il était sympa, mais son copain était très bizarre. J'étais à la librairie pour acheter un livre et j'ai fait la connaissance d'un type. Qu'est-ce que puis-je dire? Plus tard, au bar, il m'a aidé avec des vols de mon portefeuille et nous sommes devenus amis. Ah oui, un ami m'a dit que j'ai vraiment besoin de le lire, alors... Je m'appelle Chris. John, merci. Enchanté. Ah, moi aussi. Ah, Chris, de la librairie, qu'est-ce qui se passe? J'ai le jour le plus long au bureau. Moi aussi, ma portefeuille a été volée deux fois aujourd'hui. Non, vraiment? Oui, c'est bon que j'ai une vingtaine juste au sac. Je suis avec des amis là-bas. Venez nous rejoindre. Ah, d'accord. Bien. Vous dites que votre portefeuille a été volé deux fois. Oui, c'est ça. Alors, vous devez engager un enquêteur privé. Oui, ce n'était pas mon idée. Voici. C'est un que je connais. C'est le mieux. Oh, merci. Hello. C'est l'enquêteur Chris. Mon portefeuille a été volé deux fois hier et je suis sûr que c'est la même personne. Mon ami m'a dit que vous pouvez m'aider. Vous voulez rencontrer? Oui, où est-on?
venir chez moi. D'accord, ça marche. Et où est-ce que vous gardez les supplémentaires? Ici, dans le tiroir. C'est pas net. Ah, ça c'est tout. Mais vous n'avez pas me demandé des vols. Des vols? Non, mais tu nous as dit, c'est un avant et tout, nous y a fait. Pardon, il n'aime pas quand quelqu'un lui dit comment faire son travail. Oh, je m'excuse. Non, pardon. Restez calme, il est le mieux. Qui est l'enquêteur? Je ne sais pas encore. Est-ce que c'est possible que l'enquêteur va trouver le voleur? C'est possible, vraiment, c'est mon seul chance. C'est juste si vous êtes l'homme supérieur. C'est rien.